Salut tout le monde, quoi de neuf? Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la LC10. La LC10, c'est clairement pour le moment, je pense, en courte distance, la méta. Et cette classe-là, c'est celle que j'ai utilisée dans le gameplay que je vais vous montrer. Et franchement, elle trempe pas d'un poil au corps à corps. Elle a un time to kill qui est ultra rapide. Si je dis pas de bêtises, il est l'ordre de moins d'une demi-seconde, 400 millisecondes et quelques. Et franchement, même les fusils à pompe, on peut les surpasser au corps à corps. Il y a un duel que je gagne comme ça, notamment dans le gameplay. Donc, silencieux et gentil, bah, pour la portée des dégâts, le caractère silencieux, et puis aussi la vitesse des balles. Après, ça se discute, on peut aussi utiliser le silencieux sonore, puisque récemment, il a été up, avec donc du coup une absence de diminution de la vitesse de visée. Et même une visée accélérée. En réalité, je pense qu'en fait, il n'y a pas de visée accélérée, c'est juste que ça change rien du tout à la visée. Ça augmente un peu la vitesse des balles, alors qu'avant, ça l'a diminué. Et par contre, bon, ça diminue la portée des dégâts du style de environ 15-20%, je pense. Mais donc, du coup, c'est une arme que tu utilises forcément, enfin, un accessoire, pardon, que tu utilises forcément pour les armes au corps à corps. Donc ça se discute ça. Pour le canon, j'ai mis le dernier parce qu'il donne la portée des dégâts, la vitesse des balles et plus de vitesse de déplacement latéral. Pour la crosse, j'utilise pas les deux dernières qui sont vachement bien pour les autres SMG. Mais pour celle-là, j'avais envie d'augmenter à fond mon temps de transition du sprint au tir. Donc pas mon temps de visée, mais vraiment mon temps de transition du sprint au tir. Donc j'utilisais pour ça la crosse wire qui n'a aucun inconvénient en plus. Pour le chargeur, j'utilise le plus gros et j'utilise le classique, pas le rapide parce qu'on vise moins vite avec. Et pour la poignée, tout dépend de comment vous arrivez à contrôler le recul avec cette arme. Moi, je trouvais que la poignée agent de terrain était bien. Et pour la longue portée, dans ce gameplay, j'ai utilisé la Kilo, la bonne vieille Kilo, la bonne vieille méta des saisons avant sur Warzone, qui reste toujours viable jusqu'à une certaine distance. Let's get ready to rumble! Attention, le monde n'a plus de carburant, on est à la base.
avoir une nouvelle zone de sécurité. Un impact italien imminent. Soldats ennemis. Frappe de précision ennemie à couvert. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Dans le top 5, vous allez y arriver. Le gaz est à proximité.